sais pas ce que tu crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut m'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut m'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut me dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je veux rien. Faut m'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu me fais ça? Non, ça suffit. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous connaissez, c'est encore histoire d'amour. Je ne sais pas le cardio, il faut le laisser. Suivez l'émission. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Très bien. Très bien. Okay. Bonsoir. Bonsoir. C'est comment? Ça va. Comment je t'appelle? On m'appelle Young Baby partout. Donc vous pouvez m'appeler Young Baby. Young Baby. Oui. Et toi? Moi c'est Michel. Michel. Ça va Michel? Non, ça va. Ok, ça pourquoi va. Tu caresses la gousse comme ça? Tu as peur que j'ai arraché. Pourquoi arracher ta gousse? Ok. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Deux ans. C'est 2 ans, non? Oui, baby, c'est 2 ans. C'est 2 ans? Oui. Ok. Déjà, désolé de vous avoir intercepté et merci d'avoir accepté de passer à mon émission, ça fait plaisir. Sinon, vous faites quoi dans le coin? On se baladait juste. Déjà, on rentrait de visite d'un de l'école, puis okay. On est rentré comme ça. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez toujours pour habitude de sortir ensemble, vous balader et tout? Oui. Oh, d'accord. Tu as dit ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Oui. Est-ce que tout se passe bien dans la relation? Oui, parfois elle discute, mais tout se passe bien. En fait, on attend toujours, on trouve toujours une solution. Et généralement, qui provoque beaucoup plus les disputes là? Non, c'est moi. Et toi? Hein? Voilà. Dis-moi, beau, comment est-ce que vous vous êtes rencontré? C'était dans la rue comme ça, puis quand elle marchait, je l'ai regardé, puis j'ai dit, mais pourquoi pas me lancer? Oui, j'ai passé, puis elle était là. Oui. Et tu l'as abordé? Je l'ai abordé. D'habitude, les gars ont peur d'aborder les filles, non? Genre, elle va me barrer. Oui, en fait, j'avais peur. Mais bon, tu sais, l'homme, c'est son cœur. Ouais. Et toi, pourquoi, d'habitude, quand les garçons viennent vers vous refusez de donner votre numéro et tout, pourquoi quand elle est venue vers toi, tu as accepté? Bon, déjà, je l'ai vu, il a pris son courage, il m'a abordé et c'est ça qui m'a beaucoup plus gentil. Tu as vu qu'il a. Physiquement, c'était ton style. Oui, c'était mon style. Gars. Quand tu le gars, c'est un gars loxé, et si tu te déranges pas? Non, il ne dérange pas. D'habitude, les gars loxés dérangent trop. Non, mais lui, les gars loxés, en fait, c'est mon style, il ne dérange pas. Lui, d'abord, c'est bon. Et toi, tu es un coup de fille, est-ce que tu as su que tu es NT, il ne dérange pas beaucoup. Il ne dérange pas beaucoup. Ok. Dis-moi, qui entre vous deux était le premier à dire je t'aime à l'autre? Dis la vérité. C'est moi. C'est toi. Non, c'est moi. Et lui, pourquoi toi tu l'as pas fait un premier? En fait, moi, je ne sais pas trop avouer. Donc, je ne connais pas trop dire. Wow. Bon, j'aime prouver. Ah, tu prouves avec les actes. En fait, c'est comme ça comment un homme doit faire les choses. Non, je n'aime pas trop. Tu sais, c'est facile pour tout le monde de dire je t'aime, mais c'est les actes qui comptent. Les actes qui comptent, en fait. D'accord. Est-ce que tu l'aimes, honnêtement? Oui, je l'aime. Regarde le gars qui est en face de toi. Je t'aime. Est-ce que tu l'aimes? Oui, c'est toi, est-ce que tu l'aimes? Ouais. D'accord. Et c'est d'habitude, tu fouilles dans son téléphone? Non, pas vraiment. Tu n'as jamais fouillé dans son téléphone depuis que vous êtes ensemble? Bon, quelquefois. Quelquefois? Oui. Ok. Et il y avait des trucs suspects ou bien? Non, pas encore. Pas à ma gamme. Non, pas encore. Ok. Et toi, est-ce que tu fouilles souvent dans son téléphone? Non, j'ai confiance en elle. Tu as confiance en elle? Oui, en fait. À combien de pourcents tu peux avoir confiance en elle? En fait, tout. Bon, en fait, moi d'abord, je n'aime pas fouiller dans les téléphones. Et pourquoi? Je ne sais pas, mais en fait, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que le fait que tu aies confiance en elle, te rassure vraiment que non, dans son téléphone, il n'y a pas quelque chose qui peut me cacher? Déjà, la confiance là me suffit. Je ne veux même pas penser aux trucs négatifs, en fait. Tu es quand même conscient que dans le téléphone, il y a beaucoup de choses auxquelles on s'est conscient. En fait, si elle m'aime, elle ne doit pas me tromper. Ok. D'accord, quand nous sortons, c'est pour la promotion des couples. Je voyais que vous étiez un couple très fidèle. Est-ce que pour 50 000, vous pouvez accepter de passer en test de fidélité? Si vous deux, vous êtes fidèles, l'un envers l'autre, vous gagnez 50 000. Est-ce que tu es d'accord pour 50 000 et passer en test de fidélité avec ton gars? Oui, je suis d'accord. Tu es d'accord? Oui. Ou est-ce que toi, tu es d'accord? Ouais. Voici les règles. On va devoir, tu vas dévoiler ton téléphone, tu vas donner à madame, on va fouiller pendant une minute. Elle aussi va faire pareil. Est-ce que tu es d'accord de dévoiler ton téléphone et de donner à ta copine? C'est nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. Moi, je te demande, c'est un jeu pour emporter 50 000 francs. Est-ce que tu es d'accord? À part si tu as des trucs à cacher, Non,
juste mes trucs, mes business quoi. Bon, je n'aime pas trop afficher mes choses. Tu n'aimes pas trop afficher? Ouais. Toi, est-ce que toi tu es d'accord de dévoiler ton téléphone et donner à ton gars? Ouais, je suis d'accord parce que je ne cache rien. Tu ne caches rien? Ouais. Et toi, pourquoi toi tu veux pas donner ton téléphone? Tu as parlé de ton business, on va pas fouiller dans ta galerie, on va pas fouiller tout. C'est juste on va peut-être taper 2-3 mots pour voir, c'est tout. Oui, je parle de mes messages codés, mes messages personnel avec mes amis, les gars avec qui causent pour le business. Donc, ça veut dire que pour 50 000, toi, je suis pas d'accord qu'on fouille à ton téléphone. D'accord, lançons. Toi, tu es pas d'accord? Lançons. Ok. Pour ça, il veut devoir me placer au milieu de vous parce que généralement, il sait comment ça se termine. Il doit être au milieu de vous. Parce que d'habitude, ça se termine mal, gars. Il doit être là au milieu. Avance là. Voilà. Est-ce que vous pouvez dévoiler vos téléphones? Tu peux avoir ton téléphone. Tu veux qu'on commence par qui? Voilà. Donne-moi, attrape son téléphone. Attrape sa part. On va commencer par toi, par lui. Hein? On commence ici. Tu l'as resté dans ton téléphone, viens. Son nom. Amour. Oui. Ok, donc c'est lui le seul amour dans ton téléphone. Oui. D'accord. Là, on a amour. C'est toi, non? Oui. Ta photo de profil, non? Oui. Ok. On va taper. Tape bébé, on va voir. Tape sur la barre de recherche, tape ici là. Hein? Bébé, voilà, faut chercher, ça cherche. On va voir. Si tu vois un truc suspect, tu parles. Ok. Est-ce qu'il y a un truc suspect? Non. Hein? Pas vraiment. D'accord, vas-y, on peut passer. Non. Tu vas taper un je t'aime. Est-ce qu'il y a un truc de suspect? Non. Il n'y a pas? Yeah. Ok. Tape encore ce que tu veux. Donc toi tu veux dire que tu es cause avec aucun gars à part ton gars ici. Mon cœur. Même mon cœur. Qui sort? Y'a rien. Y'a rien. C'est bon non? Ouais c'est bon. Et c'est son téléphone. C'est un que t'es mort. Et c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, remets son téléphone. Voilà. Je suis avec toi maintenant. Comment tu l'as enregistré dans ton téléphone? Donne-moi le téléphone. Comment tu l'as enregistré? Mich. Hein? Mich. Mich. Ok. On va écrire bébé. Hein? On va voir. Bébé. Ah. Et si ça te dérange si ton gars appelle les autres filles bébé? Ah oui, ça va me déranger. Puis ils sont seuls bébé. En fait, oui. Ok, quand on tape bébé, on va te compter. 1, 2, 3. 4 filles qui apparaissent. On va commencer avec la première. C'est qui Donna? Non, Donna, c'est une camarade, une amie au quartier. Elle lui connaît même. Tu connais Donna? Non, je la connais pas. Je lui connais pas en fait. Comment il dit que c'est une camarade au quartier. Je lui connais pas. Qui est Donna? Non, mais toi-même, tu sais que je ne sais pas parler à une fille sans mettre les Et d'autres, ok, les sens là, d'autres, c'est qui? D'autres bébés, les trois. C'est juste des copines. Son nom, elle ne sort pas. Et si tu l'appelles pas, elle t'appelle pas bébé parfois. On s'appelle, en fait, on cause plus par vocal. Ok. Et est-ce qu'avec Donna, on peut lire dans vos conversations? Si ça te dérange pas. Et s'il y a des trucs suspects dans vos conversations, on peut lire dans les messages? Non. Non. Mais, en fait, elle. C'est pas nécessaire. Moi, je vais lire. La confiance est déjà là. Non. Il faut montrer. Je vais montrer ma page. Je n'ai rien vu de super. Donc, Tommy, je vais lire ma page. Tu sais que je n'étais pas d'accord avec ça. Attends. Pourquoi tu veux pas qu'on lise dans les messages avec Donna? Qu'est-ce que tu veux? Elle, en fait, c'est le business dont je parlais. Elle, en fait, c'est le business dont on va lire dans les messages. On va lire dans les messages. Il n'y a pas de souci. Là c'est lui qui dit, depuis on ne s'écrit même plus. Il dit, c'est parce que toi-même tu ne voulais plus de moi. Okay. Et là il te dit, toi tu avais trouvé mieux que moi, tu as décidé d'aller voir ailleurs. Maintenant comme c'est fini avec l'autre, tu reviens. Mais sauf que moi je t'aime toujours. Il dit, c'est faux ce que tu dis. Moi aussi j'étais toujours aimé. Mais toi tu m'as d'abord trompé le premier. Qu'est-ce qui se passe? Donna est qui? Et c'est ton ex? C'est juste une amie sale. Bon, en fait, c'est mon ex. Bon, avant de venir te raconter. Et pourquoi vous êtes là encore? Non, c'est juste que. Bon,
C'est pas quoi, Dine. C'est pas ce que tu crois. Pourquoi tu me fais ça? Attends, laisse-moi s'expliquer. Elle, avant de la rencontrer, tu étais là-bas avec elle, si elle comprend bien. Oui, j'étais avec elle en fait. Et on a eu un certain dispute. Et on s'est séparés. Mm-hmm. C'est où j'ai rencontré. Bon, comme on était ensemble, elle est revenue en me disant qu'elle a voyagé. Et puis, c'est là. Et elle a eu des problèmes. C'est pour ça qu'elle m'a snobé tout ce temps. Et pourquoi tu dis qu'elle avait trouvé mieux que toi, qu'elle était partie voir ailleurs? Elle dit... En fait, c'était le pour ça que je croyais qu'elle est partie. Mais bon, elle s'est dit qu'elle est partie parce que toi, tu l'as trompé en premier. Mais si je comprends bien, tu es retourné avec ton ex alors? Non, pas vraiment. Nous ne sommes pas vraiment ensemble. En fait, c'est elle qui veut. Faut me comprendre, bébé. Non, désolé, je ne peux pas. Je ne peux pas, j'avais confiance en toi. Est-ce que tu as parlé de son ex? Non, jamais il m'a pas comparé son ex. Non. Depuis deux ans que vous êtes ensemble. Depuis deux ans, c'est rien. Rien. C'est pas ce que tu crois en fait. Non, ça suffit, c'est trop en fait. Non, mais pardon. Je t'ai donné ma confiance tout, et pourquoi tu me fais ça? Faut pas. C'est comme ça que vous venez gâter la relation. Non, attends, je viens gâter la relation comment? Tu as dit qu'il y avait rien de suspect caché dans ton téléphone. Mais il fallait pas aller loin, non? Je ne suis pas allé loin. Je suis pas allé loin, là dans ton téléphone. Là, je suis tapé bébé. Au moins, j'ai su que tu étais. Non, tu le sais, c'est vraiment. Et je n'ai jamais dit ça devant toi. Je t'aime vraiment. S'il te plaît. Attends, pourquoi toi tu dis que c'est bon? Tu veux pas dire quoi? Pourquoi il m'a trompé? Il a fait mon téléphone, il n'a rien vu de suspect. Alors je ne pensais pas qu'il pouvait vraiment me faire ça. Pourquoi? Elle est revenue. En fait, c'est elle qui vient vers moi. C'est elle qui revient. Moi, je n'ai plus rien à faire avec elle. Mais attends, elle est revenue vers toi. Même si c'est elle qui est revenue vers toi, tu sais quand même qu'elle était partie avec notre gars. Et tu dis que tu l'aimes toujours et tu acceptes qu'elle revienne. Pourquoi? Bon, je sais pas trop, mais faut me croire, bébé. Je t'aime. Elle a quelque chose de différent que celle-ci n'a pas. C'est pour ça que je dis, celle-là, elle m'a toujours soutenu. Et en fait, je suis désolé. C'est pas ce que tu crois, bébé. S'il te plaît. Moi, attends, écoute. Est-ce que lui, on le connaît chez toi? Oui, il est présenté à ma mère. À ta mère? Oui. Ta mère connaît le gars? Oui. Et lui, est-ce que on te connaît là chez lui? Oui, il m'a présenté à sa mère aussi. À sa mère aussi? Oui. Ah, et ça, à chaque fois que tu vas chez lui, tu ne veux jamais rien de suspect? Non, rien de suspect, tout est bien, tout, nous sommes bien, bien, il n'y a rien de suspect en fait, il n'y a rien, vraiment rien. Regarde, voilà le message. Samedi, tu étais où? Samedi, tu étais où? Samedi, j'étais à la maison. Tu étais à la maison. Est-ce que vous avez vu samedi? Oui, on s'est vu samedi. À quelle heure? Vous avez vu à quelle heure? Aux environs de 10 ans, on a passé pas toute la journée ensemble. C'est en soirée qu'il est quitté. Tout oublies son égard. Non, attends, vous pensez que voilà samedi? Dis-moi ses gars. Attends. Dis-moi ses samedi? S'il ne fallait pas que Lisa le message, dis la vérité, samedi. Tu as percé tout. Maintenant, tu veux encore son égard. Regarde, c'est que moi, voilà, samedi beau. Et vous avez passé toute la journée ensemble. Mais ici, c'est que voilà, à l'heure, à partir de 22h, où est-ce que tu étais et avec qui tu étais? C'est mieux que tu le dises de toi-même. Parce que si moi, samedi, à 22h. Moi, on était ensemble. Je suis allé t'accompagner à la maison et puis j'étais à la maison. Non? Et tu étais à la maison et pourquoi les messages là, ça c'est... Je lis, pourquoi pas le. Peut-être que c'est toi, tu le dis toi-même. J'étais à la maison. C'est quand je suis rentré et puis elle m'a dit qu'elle voulait me voir, c'était urgent. Bon, comme toi-même, tu connais le genre de mec que je suis. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Parce que je savais que tu devais te comporter ainsi. C'est pour ça qu'il est caché. Dis-moi, tu t'entends que je suis sorti, tu m'as laissé à la maison, je suis sorti, qu'est-ce que tu devais penser? Ou peut-être mon ex m'appelait, qu'est-ce que toi tu devais penser de moi? Tu devais penser quoi de moi? Non, c'est bon, non, tu as tout pesé, non? Je ne sais pas qu'elle est tout pesé, gars, c'est moi qui pesé quelque chose. Non, mais déjà, voilà, tu es. Il n'a rien fait. Il n'a absolument rien fait. S'il a juste ouvert mes yeux, il faut t'expliquer. Dis-moi. Je dois me l'assouplir pour que. Mais c'est bon, à toi que je dis la vérité. C'est bon. Gars, dis la vérité. Moi, je n'ai même pas lu. Parce que si moi, je lis ce qui s'est passé, ce qu'il y a dans le message, c'est. Moi, pourquoi je dis que mieux tu le dises toi-même?
Tom, juste, il faut le dire. Samedi à 22h. Tu dis que vous avez passé toute la journée ensemble. Ouais, toute la journée ensemble. Toute la journée. Mais le soir, tu étais avec une autre personne. En fait, je ne savais pas que c'était un piège qu'elle a aimé. Donc, selon toi, quand vous étiez ensemble, c'était un piège qu'elle t'a tendu. En fait, puisque elle m'a demandé de venir chez eux pour que. Qu'elle se sentait pas bien et puis et tout s'est passé à la fin. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour m'expliquer? Parce que je comprends plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin pour m'expliquer? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois tout. Qu'est-ce qui s'est passé pour m'expliquer? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour me dire ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je veux rien. Pour m'expliquer, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu me fais? Avec tout ce qu'on a vu, c'est ce que tu me fais. Je suis désolé. C'est ce que tu me fais. Je suis désolé. C'est ce que tu me fais. Pourquoi tu me fais ça? Non, ça suffit. Calme-toi, s'il te plaît. Ça suffit, c'est bon. J'ai pas remis son téléphone. Oui, c'est bon. Vous avez gâté. Maintenant, il faut que je commence à souper. Vous pouvez juste dire la vérité, ce qui se passe, gars. Moi, cousin avec ta go, c'est pas le moment, ta. C'est pas le moment, ta man. Moi, j'espère seulement que tu as résolu le moment avec ta go. Parce que, gars, soyez quand même honnête. C'est tout. Je fais comme une autre cause avec elle. C'est une goût, Evaya. Ouais, ça, c'est mieux qu'elle marche. Evaya. Sois forcément vrai. Sois forcément faux, bro. Evaya. C'est un caméraman. Ok, les gars, vous avez vu. Déjà, désolé pour mon absence. Ça fait depuis plus d'une semaine que je ne poste pas les vidéos. J'avais eu deuil. J'ai perdu ma grand-mère samedi. J'avais une heure. Je suis allé à l'enterrement. Je suis revenu avant-hier, dans la matinée. Et actuellement, je suis dans la rue, je suis pour partir dans la rue faire les vidéos. Vous avez vu ce qui s'est passé. Laissez ce que vous pensez dans l'espace commentaire. Écrivez-moi pour ceux qui ont mon numéro. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, qu'Allah vous bénisse.